How many brush strokes in a painting? How many bricks to build this city? How many particles make up the universe? How many notes in a song? How many words in a book? How many hands to build the Brooklyn Bridge? All great things come from many little things. Each time you make a travel reservation, click Massive Good to donate $2. Upravo sada, kada je realizacija milenijumskih ciljeva razvoja u punom jeku, činjenice govore da u svetu od side, paludizma i tuberkuloze godišnje umre 3,7 miliona ljudi. Danas je na svetu 40 miliona ljudi zaražena virusom side, a od toga 2,3 miliona dece. Na svakih 30 sekundi umre jedno dete od paludizma, a na svakih 15 sekundi od tuberkuloze. Šta je to mikrofilantropija i da li smo spremni i mi na Balkanu za nju? Monsieur le ministre, bienvenue à Manifest. Merci. Les Européens vous connaissent plus comme l'ancien ministre français des Affaires étrangères que comme le ministre de la Culture. En quelle mesure ces expériences vous ont-elles aidé pour exercer vos fonctions d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis secrétaire général adjoint des Nations Unies aux côtés de M. Ban Ki-moon et je suis en charge de trouver des nouveaux financements pour les pays les plus pauvres. Et donc, le fait d'avoir été ministre des Affaires étrangères m'a beaucoup aidé pour mieux comprendre le monde, pour mieux comprendre les risques aujourd'hui du monde. Et donc, et puis votre question, c'est est-ce que le poste de ministre de la Culture ou de la Santé m'a aussi aidé? En réalité, qu'est-ce que la culture? La culture, c'est le respect des autres. C'est ça la définition de la culture. J'accepte l'autre qui est une culture différente. Donc aujourd'hui, je crois que la pire chose qui peut arriver dans le monde, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe pour 1,5 milliard d'humains qui sont dans les pays les plus pauvres et qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Et je pense que c'est là le risque du monde. Le risque du 21e siècle, c'est certainement pas de revenir dans les errements du passé, avec des risques de totalitarisme, de fascisme ou de communisme. Ça, je ne le crois pas. Par contre, le risque du monde, c'est de voir nos petits-enfants se battre dans le 21e siècle contre ceux qui n'ont rien, ou ceux qui n'ont rien se battent contre nos petits-enfants. Parce que on ne pourra pas continuer longtemps à éliminer 1,5 milliard de personnes de l'eau, de nourriture, de médicaments, de droits à la santé et évidemment d'éducation. Ce n'est pas possible parce qu'au même moment, vous avez Internet qui donne énormément de diffusion, de culture, de savoir, de connaissances et donc de comparaison entre les hommes. Et donc, une jeune femme aujourd'hui qui a 5 enfants en Afrique, dont 2 meurent de tuberculose et de sida, est persuadée que toutes les femmes du monde qui ont 29 ans et qui ont 5 enfants ont des enfants qui meurent de tuberculose et de sida. Quand elle va apprendre que ce n'est pas vrai, je crois qu'il y aura un sentiment d'humiliation, de colère terrible. Et donc voilà, mon travail, c'est ça. Vous dites que le 14 décembre 2009 est pour vous un jour historique. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que le 14 décembre 2009, au sein de mon organisation que nous avons créée à l'époque en 2006 avec Jacques Chirac, le président français, avec Lula da Silva, le président brésilien, et avec M. Lagos, le président chilien, et Kofi Annan, le secrétaire général de l'époque, nous avons créé United, tous unis pour aider, United. À l'époque, nous avions dit qu'on ne pourra pas continuer à augmenter en permanence
l'aide que l'on peut faire pour les pays pauvres. Parce que nous avons chacun des budgets, nous avons chacun des personnes, des gens qui souffrent chez nous, qui sont pauvres, qui sont au chômage, qui ont des difficultés. Et donc il est difficile d'expliquer aux gens qui habitent ici que l'argent ne va pas aller vers eux, mais à 5000 km de là. Donc nous avons pensé qu'il fallait créer de nouvelles sources de financement, ce que l'on appelle les financements innovants. Celui qu'on a inventé à l'époque, c'est de dire toute personne qui prend un billet d'avion peut payer 2 dollars de plus. Donc on a ajouté 2 dollars. Nous avons fait ça en France en juillet 2006, mais il y a 16 pays qui l'ont fait en tout. 40 chefs d'État et de gouvernement ont accepté déjà de le faire. Dans votre région, le Monténégro a déjà accepté de le faire. Ils n'ont pas encore passé la loi, mais ils ont accepté de le faire. 16 pays. 16 pays, en 3 ans et demi, nous avons récolté 1,5 milliard de dollars avec cette petite idée. Et nous avons décidé de consacrer cet argent aux objectifs du millénaire qui étaient liés à la santé. Sida, tuberculose, paludisme, mortalité infantile des enfants et mortalité maternelle des mamans. Et donc, évidemment, il faut s'occuper de cela. Et donc, nous avons décidé que United soit consacrée à ces problèmes. Et c'est comme ça que je peux vous dire aujourd'hui que 3 enfants sur 4 qui sont soignés déjà contre le sida dans le monde le sont grâce à United. 3 enfants sur 4. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui payé, financé les grands programmes de l'UNICEF pour donner des traitements aux femmes enceintes qui ont le sida. Nous avons décidé de ne pas être sur le terrain. On n'est pas sur le terrain. Il y a déjà beaucoup de monde sur le terrain. Par contre, nous finançons des grandes fondations ou des grandes organisations qui sont sur le terrain. Le 14 décembre, c'est historique. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé que les médicaments qui sont les plus importants, les plus récents, les plus efficaces, dont nous disposons, nous, ici, dans les pays occidentaux, pourront être disponibles au même moment dans les pays les plus pauvres. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas vrai. Il fallait attendre 15 ans pour qu'un médicament efficace, ici, en France, puisse être donné dans les pays les plus pauvres, pour des raisons d'argent. Et là, nous avons trouvé un système qui permettra demain d'avoir au même moment les mêmes médicaments pour les pays riches comme pour les pays pauvres. Et c'est ça qui est historique. Vraiment. Et dans la stratégie d'unité 2010-2012, vous dites qu'un seul but de la stratégie est d'obtenir les missions. Et quelle est la mission à propos de ça, de unité? La mission, c'est de pouvoir donner à chaque femme, chaque enfant et chaque homme sur la planète le droit de se soigner. C'est un droit. Et on l'oublie. Je viens de vous dire qu'un enfant mourait toutes les 3 secondes. Une maman meurt toutes les minutes. Si vous allez à quelques mètres d'ici, à Paris, à l'hôpital Necker, qui est un des plus grands hôpitaux pour enfants dans le monde, vous allez voir comment on s'occupe des enfants. Alors la question est simple. Est-ce qu'un enfant qui est ici à l'hôpital Necker a une plus grande valeur qu'un enfant qui naît aujourd'hui à Lomé, à Bamako ou ailleurs, ou dans les Caraïbes? La réponse est évidemment que c'est la même valeur. Et la communauté internationale ne fait pas en sorte que ce soit la même valeur. Et je suis heureux de voir que la France, qui est ce pays des droits de l'homme, se bat pour ça. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui parler du réchauffement climatique. Il n'y a pas un Français qui ne parle pas aujourd'hui du réchauffement climatique. Pour gagner les élections, il faut expliquer aux Français qu'on va s'occuper du réchauffement climatique. C'est très bien. Moi aussi, je pense que c'est un grand sujet. Enfin, le fait qu'un enfant meure toutes les 3 secondes
c'est aussi un sujet. Et donc, je voudrais vraiment qu'on revienne à l'essentiel, qu'on revienne à ce que sont les hommes, les personnes humaines, que l'on soit croyant ou pas. Une personne humaine, c'est sacré, ça se respecte. Donc, je pense qu'il faut, en effet, que la mission aujourd'hui d'UNITED soit de soigner toute femme, tout enfant et tout homme sur la planète. D'accord. Nous avons l'information que M. Spike Lee produit un spot pour la UNITED à propos du thème Massive Good. Et pourquoi ce spot? Peut-être pour la mission. Oui, parce qu'on a décidé de faire une taxe sur les billets d'avion. Donc, nous en France, 2 petits euros par billet d'avion. Mais il y a des pays, comme les États-Unis, qui sont contre toute taxe. Et donc, nous avons décidé, dans ce pays, aux États-Unis, non pas de faire une contribution obligatoire comme taxe, mais une contribution volontaire. Toute personne qui prend l'avion peut dire si elle clique en donnant 2 dollars ou si elle ne clique pas, elle ne donne rien de plus. Et on a appelé ce grand mouvement massive good, faire du bien massivement. Et autant pour une taxe, ce n'est pas la peine de faire de la publicité parce que les gens n'aiment pas les taxes. Donc quand on met en place une taxe, quand on fait de la politique, on ne va pas crier sur tous les toits qu'on met une taxe. À l'inverse, pour une contribution volontaire, il faut que tout le monde soit au courant. Donc nous avons fait une grande campagne de communication. Nous allons faire une grande campagne de communication aux États-Unis qui s'appelle la Massive Good Campaign avec des chanteurs et des artistes musicaux et avec des artistes de cinéma. C'est comme ça que Spike Lee a accepté de faire un film de 45 secondes, une minute, qui dit aux gens, avec un petit clic, on peut sauver le monde. Chacun est responsable sur la planète, l'avenir de la planète. C'est vrai pour le climat, mais c'est vrai aussi pour la grande pauvreté. Vous, personnellement, vous êtes aussi très active. Je sais, vous avez publié un livre, Power in Numbers, avec votre collègue Daniel Altman. Pourquoi et quel est le message de ce livre? Le message, c'est que Power in Numbers, c'est le pouvoir des nombres. Si on s'y met tous, on peut vraiment changer le monde. Même avec 2 dollars par billet d'avion. La vie de quelqu'un ne va pas changer parce qu'il paie 2 dollars un billet d'avion. Et donc, mes 2 dollars, ça permet à un enfant de commencer à bien se soigner pour le paludisme, la malaria. Un enfant meurt toutes les 30 secondes de paludisme. Et on peut éliminer le paludisme. Il suffit d'une moustiquaire. Une moustiquaire, ça vaut 10 dollars. Donc avec 5 petits clics, on sauve une personne. Mais dites-moi, le monde subit encore les conséquences de la crise économique. En même temps, vous lui offrez le nouveau financement pour pallier aux maladies dans le monde. Quel sens voyez-vous dans tout cela? Je prends un exemple. Il faut savoir que ces banques, elles achètent souvent des monnaies. Par exemple, une banque va acheter du yen japonais parce qu'elle croit que le yen va monter. Donc, elle a intérêt à acheter du yen le matin parce qu'elle sait que le soir, le yen se coûtera plus cher. Puis le lendemain, elle va vendre le yen pour acheter du dollar. Il faut savoir que ce petit jeu, il y a 900 000 milliards de dollars par an qui sont échangés. 15 fois le produit mondial brut. Ça n'a rien à voir avec le commerce, rien à voir avec l'emploi, rien à voir avec les entreprises. C'est uniquement de la spéculation de gens qui veulent gagner plus d'argent. Alors, si on prélevait 0,005%, c'est rien. Personne ne s'en rendrait compte. Le monde marcherait aussi bien. Vous savez combien ça rapporterait? Ça rapporterait 42 milliards de dollars par an. Ça sauverait le monde. Ça s'appelle la Currency Transaction Tax. Le président Sarkozy a dit oui. Madame Merkel a dit oui. Monsieur Gordon Brown m'a dit oui. Maintenant, il faut que j'ai le oui des Américains et des Chinois.
Mais il faut surtout que j'ai le oui des banquiers. J'espère que, après ce qui s'est passé, depuis 3 ans, à Wall Street et à la City, j'espère qu'ils comprendront qu'il faut le faire. Il est temps de sauver le monde. C'est très important. Et à propos de votre exemplaire, je notais que vous utilisez souvent le terme microphilanthropie dans vos activités. Quelles mesures sommes-nous prêtes aujourd'hui pour la microphilanthropie? Et quelle est la différence dans cette case entre micro et macro, à propos de cet exemplaire, pour comprendre? Le micro, c'est quelque chose de totalement indolore. Si, dans les pays des Balkans, dans les pays... Monténégro. La Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie. On décide demain. Et il faut que ceux qui nous regardent disent à leur Premier ministre et leur Président de la République, mais si les Français l'ont fait, pourquoi on ne le ferait pas? Un petit dollar. Un petit dollar pour payer l'avion. Ça change tout. Ça, c'est micro. C'est indolore. C'est painless, comme les Américains. Ça ne se voit même pas. Ici, on a passé la loi, il n'y a plus un Français qui sait qu'il paie 2 euros par billet d'avion, plus personne ne le sait. Mais on sauve des millions de gens avec ça. Demain, sur le téléphone portable, on pourrait très bien dire que chaque fois que l'on s'abonne, c'est-à-dire à peu près tous les 18 mois, soit on change d'opérateur, soit on garde le même, on pourrait très bien demander si quelqu'un veut ou pas, de manière volontaire, s'il veut donner 2 dollars par mois. Pourquoi pas? Donc c'est ça, mais ça c'est micro, c'est indolore. Mais les conséquences sont macro. C'est très important pour comprendre ça. Mais certains pays de l'Europe du Sud-Est font déjà partie de l'Union européenne, d'autres autres pas encore. Que pensez-vous que le délai d'entrée pour la Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine? Je pars du principe qu'il faut qu'ils rentrent le plus vite possible. Je suis un ardent défenseur de l'intégration européenne pour le Monténégro, pour la Serbie, pour la Croatie et pour la Bosnie. C'est très très important. C'est très important pour plusieurs raisons. C'est très important parce que l'histoire nous a montré qu'il peut y avoir des dangers pour l'Union européenne. D'abord, des dangers pour l'Union européenne, mais aussi des dangers pour vous-même. Je sais ce que vous avez vécu, et j'ai le plus grand respect pour ces familles-là qui ont été touchées dans leur sang, dans leurs enfants. Et je pense qu'il faut absolument tout faire pour éviter cela. C'est pour ça que je suis aux côtés de Boris Vukrovac, qui fait tout pour Boris Vukrovac fait tout pour éviter que ça recommence. Et donc, il est excessivement important que ça ne revienne pas. Et pour que ça ne revienne pas, il faut bien évidemment que les valeurs de l'Union européenne, qui sont des valeurs de respect, des valeurs de tolérance, des valeurs de droits de l'homme, puisse être majoritaire dans tout le continent, évidemment, donc y compris dans les Balkans. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, parce que c'est tellement magnifique, que de toute façon on a envie que ce soit dans l'Union européenne, évidemment. C'est important pour le commerce, c'est important pour voilà. Oui, mais pensez-vous, après tous les 7 événements, comme vous avez déjà dit, qui sont ces produits dans la région, nous pouvons réveiller cette microphilanthropie chez les citoyens ordinaires? Et c'est oui, comment? Il faut comprendre que la philanthropie, la générosité pour les autres, elle vient déjà quand vous commencez, vous, à avoir suffisamment. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui n'a rien, de penser aux autres qui n'ont rien. Ils le font souvent d'ailleurs, mais enfin, c'est difficile. Bon. Donc au fur et à mesure que le niveau de vie augmente, au fur et à mesure que les classes moyennes arrivent, alors il faut en effet penser
à la générosité, à la philanthropie. Mais les peuples des Balkans sont solidaires. Il y a de grandes solidarités, c'est une de vos grandes caractéristiques. C'est la solidarité, la fierté, la dignité. Et donc je pense que vous avez les valeurs qui sont voilà, ces valeurs merveilleuses qui font de vous des peuples généreux. D'un côté, on dit que la période de 2010-2020 sera la décennie de NBIC, la NBC, la nanotechnologie, de biotechnologie, de technologie d'innovation et sciences cognitives. De l'autre côté, ces innovations font craindre que l'homme soit aligné et que souviennent les années de peur. Ça, c'est un grand sujet philosophique. Si on prend les usines nucléaires, c'est soit pour faire de l'électricité, avec moins de pollution que le charbon, soit alors c'est fait pour faire l'arme atomique, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Si je prends l'exemple d'un couple qui n'a pas d'enfant, grâce à la fécondation in vitro, on peut permettre à une femme d'avoir un enfant. Magnifique histoire, magnifique progrès. Il y a d'un côté des choses extraordinaires, mais de l'autre des risques. C'est vrai pour les biotechnologies, c'est vrai pour les infotechnologies, et c'est vrai pour les nanotechnologies. Alors, les infotechnologies. Si Internet, ça sert à multiplier les gens qui sont pédophiles, c'est une catastrophe. Si Internet, ça permet à tous les gens qui prennent un billet d'avion par Internet de donner 2 dollars aux gens les plus pauvres, c'est merveilleux. C'est ça la question. C'est pareil pour tout. Et donc la conclusion de votre question, la réponse à votre question, ça s'appelle l'éducation. C'est-à-dire que si nous arrivons à éduquer nos enfants pour leur dire « voilà l'outil, vous pouvez en faire le meilleur ou le pire. Faites-en le meilleur. » C'est ça l'éducation. La liberté. La conférence New World, New Capitalism vient de se terminer à Paris. Quelle est votre vision à propos de ça, de notre aujourd'hui et de notre demain par rapport à la conclusion de la conférence? Je pense qu'on ne peut pas continuer avec le capitalisme purement financier que nous sommes en train de vivre. Où le monde se reprend, le monde occidental se reprend, ou il ne se reprend pas. S'il ne se reprend pas, on va être exactement comme à Rome, à l'époque, où tout le monde était très heureux, tout le monde se recevait, tout le monde allait dîner, déjeuner, buvait beaucoup, faisait des orgies, était persuadé que ça allait durer, c'était maître du monde, il y avait un empire colossal. Ils avaient simplement oublié qu'à 2000 km de là, il y avait des gens qui les regardaient. Ils commençaient à s'apercevoir qu'ils n'avaient plus de valeur. Et ça a duré à peu près 50 ans, 60 ans pour disparaître. Ou 100 ans. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit un Occident qui n'a plus de valeur, plus d'idéologie politique. La politique n'intéresse plus personne. Il n'y a plus de grande idéologie. On considère en France que les hommes politiques, je crois que c'est le pire métier du monde, je crois, pour les jeunes. Donc, mais c'est dû aussi peut-être aux hommes politiques, mais voilà, plus d'idéologie politique. De moins en moins de religions. Par exemple, la France est un pays où il y a eu la plus grande déchristianisation, la plus rapide de l'histoire. En 50 ans, ce pays est passé de chrétien à non-chrétien. Même si les racines sont chrétiennes. Les gens ne pratiquent plus. Troisièmement, il y a 30 ans, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Europe, faisait 80% du produit brut mondial. 30 ans, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, Brésil, Inde, Chine, le Sud, ça fait 52% des pays émergents.
Donc il y a un basculement du monde, d'un côté avec des nouvelles puissances, qui sont en 2050 1,5 milliard d'Indiens, en 2050 1,2 milliard de Chinois, des Occidentaux qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, qui continuent à se battre entre eux pour des petites choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, la seule solution que nous avons, nous, c'est de mettre tous nos milliards en une chose, une, pas deux, une. C'est tout sur la recherche, l'innovation, l'université, l'école. Pour qu'on invente demain les nouveaux produits. Mais si on ne fait pas ça, et si on est totalement, je dirais, tourné que vers notre bien-être, notre retraite, nos assurances, on va à la catastrophe. Dire ça, en France, par exemple, ça serait politiquement totalement incorrect. Les gens ne comprendraient pas que je dise ça. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui sauveront l'Occident sont ceux qui mettront l'argent dans l'innovation, la recherche, pour que les nouveaux produits soient faits ici. Car si, moi je vois bien, j'étais maire de Toulouse, là où on fabrique l'Airbus. L'Airbus A320, c'est-à-dire l'avant-dernier, il est déjà fait en Chine. Pour que les Chinois nous achètent les Airbus, nous avons fait des usines en Chine. Donc ils savent le faire. Par contre, nous avons l'A380, le gros, le nouveau. Il est à Toulouse. Mais il ne faudrait pas que l'A390, le nouveau, soit fait en Chine, car il ne restera plus rien ici. Oui, mais en observant votre vie, on n'a pas l'impression d'une carrière, mais l'impression de la mission. C'est vrai, mais quelle est votre opinion, quelle est votre mission dans votre vie ? Bon, aujourd'hui, ma mission, c'est d'être totalement aux côtés des plus pauvres. Je pense qu'on est dans un monde où malheureusement, on oublie très facilement, avec nos ennuis, nos soucis, on a tous des soucis, on a tous des drames, mais on oublie souvent ceux qui ont vraiment passent par le drame, par l'épreuve de la souffrance physique, psychologique, ceux qui n'ont rien. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui vouent leur vie aux plus pauvres. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je suis né dans une famille très à l'aise. Enfin, il ne m'a jamais manqué quoi que ce soit. J'ai eu énormément de chance dans ma vie professionnelle. Il est temps maintenant quand même de redonner un petit peu ce qu'on m'a donné. Merci. Enfin, avez-vous peut-être un message pour les citoyens de Balkan ? Un message, c'est de leur dire que nous serions tellement heureux de les avoir dans l'Union européenne, que ça sera une force très importante pour les Européens qui sont déjà dans l'Union, et leur dire aussi que nous aimons énormément leur caractère, leur force aussi, et leur pays.